On est bien. Ok. Alors, quel spirit quand tu es en ce début de dimanche? Ok, on va save un coup. On entend Bibou marcher. Ah bah ça, toujours. Hein. Top du top, écoute. 12 heures de live, bientôt 13 heures. Le jeu est top. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Bon, session exploration. Il faut trouver le stuff d'un roi. En l'occurrence, des godasses. Si quelqu'un voit les chaussures, qu'il me le dise. On cherche des godasses. À la recherche des godasses perdues. C'est chaud, hein? Pardon? Ah, mais ça fait du bien. Hein. Moi, je crevais la dalle, perso. Tu viens de passer devant. J'en déconne. Mais putain, je fais... Attends, là, je regarde... Tu... Ouais, deux secondes, je finis mes patates. Je pense qu'il faut que je fisse mes patates pour être plus attentif. Le squelette est un gras rouge pour monter dessus. What? Pour donner stream à sévère patate. Ah mais moi, point d'exclamation poulet, Katangou. Là? Mais je peux pas monter là, attends, j'ai changé le stuff. Attends, on va remettre le... On va remettre le stuff du pirate, tiens. Oh putain! Mais non! Mais attends, mais... Ok, je sais, je sais. Il y a une urne. Je me rappelle avoir vu une urne, attendez. Elle est là. Ah ouais, non mais attends, mais c'est super chaud à voir. Mais ouais, la journée de live a été fou, Spirit, pour donner une idée. Aujourd'hui, les viewers ont fait... Ah mais on a 721 subs. Mais... Bah, il n'y avait pas... On n'était pas à 720. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aurait resub? Mais sans le partager par hasard. Chose royale. Merci Sanguine, j'aurais pas trouvé. Non, je le sais que j'aurais pas trouvé ça, pour le coup. Ça y est, on a le full stuff. Adressez-vous à la pie comme si vous étiez un roi. J'ai le full stuff du roi. Vive le roi, noble roi des temps anciens. Trop mignon. Ok, maintenant faut retrouver la pie. On va save un petit coup, je pense, à un moment. Mais ouais, on a la journée a été folle. Enfin, 12 heures de live. Attends, les 70, 80, 80 subs attends offert. Enfin, pas offert, excuse-moi, 80 subs offert et pris. 80 subs, quoi, c'est. Le chat, un plaisir. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux pour les OS Games. Je trouvais ça vraiment cool parce que c'est des jeux pas forcément. Enfin, c'est pas des jeux live, les OS Games. C'est des très bons jeux. Mais on est bien d'accord que c'est pas des jeux live, vous voyez. Enfin, généralement, là, pour Ghost of a Tale, je vais être un des seuls streamers world à le streamer. Y a pas grand monde dessus. C'est-à-dire que vous êtes principalement là de la commu ou un petit peu quelques-uns d'entre vous d'être aussi des curieux du jeu. Et ça fait plaisir à voir quoi. C'est je trouve ça ouf. Enfin, je trouve ça génial. Voilà. Donc merci de votre présence. Merci de votre générosité. Et ça fait plaisir de fou. Ce mois de mai aura vraiment été. On en fera un petit récap hein, comme date demain, vous le savez, j'aime bien faire les récap, même si je radote en fin de mois à chaque fois, mais. Ah c'est bon. C'est vraiment le mois de. Le mois de la générosité quoi. Le mois de ouf. Ok. Je sais pas, quelque chose me dit que j'ouvre toutes les portes. C'est pas un mal. Elle est où la pie hein? Donc là faut que je parle à une pie. Ah, pie trouvée. Qui va là dans le noir? Inclinez-vous pie, vous êtes en présence d'un roi. Un roi? Votre majesté c'est un honneur. Coucou le teammate NSL, comment ça va? Ah bah écoute, tu m'as porté chance. Il manque plus que ça, un slave pour compléter la nivellerie. Je suis Ravik, descendant de Midgar et fille d'Elgim. Je suis le roi Nord, on va dire. Sous Connor.
Le roi Nord, l'impitoyable dans les armées, ont conquis les 5 terres d'Héra. Le roi Nord, le querelleur. Et Zémon Courroucé est connu pour ne jamais pardonner. Le roi Nord, le rancunier qui inflige une vengeance prompte à quiconque le fâche. Le roi Nord, le crépusculaire dans les cris. Ange, le crépuscule et l'aube, vous me connaissez donc. Existe-t-il une créature qui ne vous connaît pas? C'est un honneur de me trouver en votre présence. Et je chanterai votre magnificence. Mais tout d'abord, voulez-vous bien retirer l'ombre du feu de mourant et illuminer la salle? Ok, faut apprendre les trucs. Top du top. Salut Nox. Top du top. Vraiment, top du top. Alors, les feux de mourant sont des flammes bleu froide qui ne requièrent aucun combustible. Elles ne peuvent pas être éteintes de la manière traditionnelle. Le procédé alchimique précis pour les créer est depuis longtemps oublié. L'OST, enfin, tout est top. Mais elles sont toujours utilisées à bord des navires les plus riches sillonnant le lac Vaelia. Leur flamme est résistante au brouillard et aux embruns. Elles sont traditionnellement associées à la mort, car les cas d'observation naturelle les plus connues proviennent de tombeaux et de catacombes. Les marins affirment que la nuit est calme. Lorsque la nuit est calme, on peut apercevoir les lumières bleues qui brillent depuis les profondeurs du lac Vaelia, tels les naufrages de fantômes passés. J'ai déjà streamé le premier Borderlands Inox, peut-être qu'un jour je streamerai le 2, ouais. J'avais streamé le 1, j'avais adoré, j'ai un peu streamé le 3, c'était sympa, mais faudrait que je le fasse en solo plutôt. Ça fait partie des jeux sur ma longue liste à faire pendant ma carrière de streamer. Donc ça peut être aussi bien dans 6 mois que dans 6 ans. Voilà. Des bisous à Papy Mivre, vous bien. Oui, je pense aussi pour le coup Kamsat. Pardonnez votre majesté, mais c'est si sombre et je vois à peine les pubs du codex. Ok, d'accord, bon. Qui suis-je pour viser la quête d'une pile? Si, vous êtes bien courtois. Bon, alors. Ok. Bon, bah, faut pas sauter là. Spoiler alerte, faut pas sauter là. Oh putain, je reviens ici! Quel enfer! Avant le blabla et tout. Il y a Bibou qui est toujours en train de mâchouiller sa pomme de pin, avec passion. Il y a le 2, le précédent complet. Ouais, alors pour le coup, je les ai déjà, mais je pense que il faudrait que j'aille les prendre, ouais, à l'occasion. Mais voilà, il y aura Borderlands un jour, ça c'est sûr, c'est comme les Zelda ou autre, je sais que je les ferai un moment ou un autre, mais il y a pas mal de jeux, ouais, que je garde pour des gros moments de disette, sauf que les moments de disette, en ce moment, il y en a pas eu, enfin, c'est longtemps qu'on en a pas eu, quoi. Ouais, il prend le... sa pomme de pin, ouais. Tu peux t'en prendre 4, toi, pour ça. Oh, de la thune! Combien de florins? Ah, 3 florins, écoutez, c'est pas si mal. On va se cacher, on va save, ça sera fait. Bonne nuit! Ok. Alors. Là. Elle est tellement mignonne à courir, cette petite souris. Moi, je suis toujours sous le charme. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis toujours sous le charme de ces petits pas. Oh là là, c'est tellement mignon. Il y a toujours l'araignée que j'ai pas buté là. Un jour, je la fumerai. Mais j'ai toujours rien pour la buter. Il me faut une bombe de pain grenade là. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut allumer cette merde? Ah, attendez, là par contre, là je peux sauvegarder ici. Tonneau. Hop là. On va pouvoir sauvegarder déjà, ce sera pas mal. Bon alors Nina, au final, c'était pas si mal sa petite souris. Parce que je sais que t'étais une des... Comme Urza, vous étiez les fervents partisans de Blacklist. Mais au final, ce petit Ghost of a Tail, il est loin d'être dégueu. Il est loin d'être dégueu, non? Ouais, je rame un peu IRL. Hop là. Salut la pire. Tiens, on peut bien... Alors, on va essayer qu'on est dire on est l'autre. J'aime pas trop... Voilà. Le roi Souk. Le roi Souk, le furtif, dont le nom est connu de tous, mais dont le visage est difficile à reconnaître. Le roi Souk, l'énigmatique, donc seules les phrases qui sont connues. Le roi Souk, l'indescriptible, dont la magnificence est impossible à exprimer. C'est ça. Pour le coup, ouais, Black Seed aurait été plus infiltration. Là, c'est plus point and click avec un petit peu d'infiltration. Je savais pas. Unlock. Ah ouais, pour le coup, vous avez peut-être moins d'infiltration, mais vous me voyez galérer sur les énigmes, donc bon. Vous me connaissez donc. Existe une créature qui ne nous connaît pas. Donnez... Ok. Qui suis-je pour faire le cas d'une pire? Si vous êtes bien courtois. Bon.
Alors, comment qu'on crame tout là? La pie veut que je fasse un barbecue. La pie réclame un barbecue. Comment qu'on fait? Quête. Et enlever le voile du feu mourant, vous devez aborder. Oh putain. Donc déjà, faut pas sauter. Ça élimine une possibilité. Alors là, ça c'est de l'énigme, ça. Est-ce que c'est un truc évident et je suis un connard? Ou est-ce que c'est une énigme? Et je suis comme un connard. Attendez, on va remonter. Peut-être des petits sauts à faire et tout. J'ai peut-être une idée. En vrai, j'ai peut-être une idée. Merde! Putain. Je pensais qu'il fallait sauter là-dessus. C'était pas... En vrai, c'était pas si mal comme idée. En vrai de vrai. Un roi, oui, voilà. On va y arriver, attendez. Le feu de mourant. Ah. Le chaudron majesté au-dessus de moi. Donc c'est bien ça. Pour quelle raison? Ok. Donc c'est bien le... Faut bien que je crame ce truc-là. Sauf que je fais comment? Moi, je suis content avec ma bougie, mais... Je comprends pas, je fais quoi avec ma bougie, là? Je dois rater un truc. Je dois avoir un truc à prendre. Faut que j'allume le chaudron au-dessus, là. Et comment je mets le barbecue? Quelqu'un allume tout? Comment je fais le barbecue, bordel? C'est un silex. C'est pas un silex, ça? Attendez. Mais putain, tu me rends ouf avec ton échelle, Tilo. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est silex. C'est forcément ça. Brûle la pierre, reste tranquille. Non! Oh putain. Sanguine, dis-moi, dis-moi juste, je chauffe ou je suis complètement à côté de la plaque pour allumer le, pour faire le barbecue. Je veux bien un indice, par contre. C'est un indice. Est-ce que le silex est le bon truc et je bug sur les endroits où il faut aller ou pas du tout? Non, tu chauffes pas. Ah! Merde, bon. Ok. Je chauffe pas du tout. Alors, déjà, on va aller re-sauvegarder. Parce que ça, c'est les flammes bleues, tu vois, là, mais... Attends. Je me disais que je pouvais peut-être allumer mon bâton de ces flammes bleues. Dis-moi quand je chauffe. Hein. Attends, là, je vais vous regarder. Il y a un trou dessous, ça n'a pas un rapport. T'as pas remarqué que je suis mort 3 fois dans le trou déjà? Justement. Ça a sûrement un rapport, c'est juste que je sais pas, je peux pas y accéder pour l'instant de toute façon au trou. En fait, je peux pas descendre là, y a pas de chemin pour y aller. Bâton. Putain, c'est pas en bâton qu'il faut que j'allume. Depuis le début, j'aurais pu passer en fait en sautant à droite cette porte. Vous vous rappelez comment elle m'a bloqué tout à l'heure? Et que j'ai essayé de faire tout le tour du monde pour...
Ceux qui étaient là tout à l'heure vont comprendre mon désarroi là. Je suis vraiment un connard. Regonoria. J'ai cherché le monde entier pour passer cette porte. Et au final, il y avait juste à sauter à côté. Anneau en métal. Oula. Cool. Oh, ce raccourci de ouf! C'était bel et bien ça qu'il fallait faire depuis le début. Hein. Rien à voir avec, mais c'est pour tout à l'heure ça. Et bah, tu devrais. Mais t'as qu'un seul écran, il est nul. Faut investir dans un deuxième écran. Tu me dis que t'as pas l'argent? Pas de soucis. Un deuxième écran, 30-40 balles, le bon coin, c'est le teuf. C'est le teuf. Le dual screen, les gars, ça change la vie. Vous me dites que vous avez un trop petit bureau? Pas de soucis. Pied de bureau. Bras d'écran, et vous pouvez le fixer à votre bureau ou superposer les deux écrans. Il y a toujours les solutions. Vive le dual screen. Putain, mais depuis le début, j'avais juste à passer comme ça, quoi. Je m'étais tellement pris la tête. J'avais cherché des trucs pas possibles, j'avais juste à sauter à côté, quoi. Bon. Pour jouer. Il est pas là pour jouer, juste. Ah bah oui. Non, mais tu vois, tu es nul, là, il joue. Tu vois, comme ça, tu peux mettre un stream, un Netflix, un porn, fais ce que tu veux, je m'en fous, mais. Qu'ils disent le, quoi. Ah, Bibou, il fait la tête. Ah. Oh, Deluine. Bonjour, brave souris. Je ne suis pas en droit de vous donner cela, brave souris, mais pourriez-vous veiller sur le reste de mes camarades? Beaucoup sont enterrés dans les bois, je vous en prie, allumez une bougie en leur nom afin qu'ils ne soient pas oubliés. Prenez ceci, s'il vous plaît. Un coffre gît au pied de l'obélisque de Jotte. Vous y trouverez des instructions que nous allons dans votre tâche. Ce sera un honneur, madame. Ok, nouvelle quête secondaire, c'est bien ça. Je manquais de quête secondaire dans le jeu. Regardez, je manquais vraiment de quête secondaire. C'est génial. Fichtre fucking diable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoute, je donne ma langue au chat, Sanguine. Je sais pas. C'est un truc ultra dur, non? Enfin, c'est... Ou c'est un truc tout con et je suis juste débile. Parce que là, attendez, j'ai essayé de grimper. J'ai essayé la bougie, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'enflammer mon bâton, ça n'a pas marché. J'ai essayé le silex, ça n'a pas marché. La bouteille qui peut prendre les flammes, non? Non. Bah écoute, vas-y, je sais pas. Attends, non. Non, c'est pas ça. Non. This is Sparta! Attends, me dis rien, me dis rien. YOLO. Avant que je perde le bâton, je t'écoute. Merci beaucoup, UM, pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi, monsieur Train. L'homme unique train de la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien. Comment ça va? Je t'écoute, Sanguine. Là, je pensais avoir trouvé un truc, mais bah non. Et j'ai rien d'autre. Hein. C'est une pomme de pin? Oh non, c'est la pomme de pin. C'est la pomme de pin qu'il faut faire péter, c'est ça? Tu balances le pomme de pin, ça enflamme le tout et ça le fait péter et il tombe. C'est ça ou pas? Il faut que je trouve une pomme de pin. Monte les chaises, jette juste un truc dessus. Oh putain, attends. What? Mais... Tu dois l'enflammer, je comprends pas. Je suis gogol. Je n'aurais jamais trouvé. Pour moi, c'était forcément mais mille fois plus compliqué que ça. Je m'imaginais déjà transporter une flamme bleue à travers les catacombes sur un bâton et tout, quoi. Enfin, je m'imaginais un truc de ouf, quoi. Elle m'éclaire certainement, votre Altesse. Je suis bien chanceux de voir... Ok. Votre couronne est alors un diamant de saphir. Un peu des deux. Ces boutons sur le tunique sont en argent ou en or? C'est de l'or. En or blanc, assurément. J'aurais peine à imaginer une telle merveille. C'est étrange, on dirait que votre majesté va les saquer dans la bataille. Ah. Oh oui, celle-ci n'est pas... Attendez. La sabre... C'est vrai qu'on peut... Faut pas mito ici. C'est peut-être un... Alors, de ces rares manquements étiquettes, maestrel. Si paraît l'histoire. Maintenant, souris, dis-moi ton vrai nom, j'aimerais savoir qui je dévore. Ah. Ah. J'ai prétendu ma parole à un prétendu roi.
Vous n'avez pas d'honneur, pire. Et toi, souris, tu n'as rien à roi. Thérus de Mamusplat, dis-moi qui tu es. Je suis un ménestrel. Un ménestrel? Pourquoi ne l'a pas dit plus tôt? Un ménestrel est bien plus important que n'importe quel roi. Chante quelque chose, une chanson que je ne connais pas, quelque chose ayant une valeur historique. Et peut-être que je te laisserai vivre. Oh putain. Ayant une valeur historique? La balade du roi pleutre. Ou la guerrière dorée. Soit la... Vous pensez quoi, la balade? Moi, je pense à la guerrière dorée. Vas-y, go. Elle est dans la tombe de la guerrière de la catacombe. On va faire la guerrière dorée. Le guerrier dorée, je veux dire. Par un triste matin à Vaelia, la flamme héroïde s'avança. Les remparts de Périclave faisaient pâle figure. Les paysans frémissaient sous leurs armures. Mais au milieu, Déluine combattait avec vaillance. Sur la salamandre qui rehaussait sa brillance, il réchauffa les âmes, transit le père. Elle réchauffa les âmes, transit le père. C'est une femme, Déluine. Et derrière Déluine, chacun se crut vainqueur. Jarlan et Nico étaient au premier rang, noir et blanc, bleu comme l'océan. Baigné dans la lueur du néant étincelant, la flamme verte contre 12 rats flamboyants. Puis résonna dans la plaine le son du clairon. Déluine, Jarlan, Nicto et leurs compagnons venaient d'invoquer un puissant chaos qui du feu étouffa les derniers assauts. J'adore cette chanson. Elle est vraiment belle, cette balade. Elle, Déluine, était un mâle. Pourquoi dis-tu elle? Même les chansons que tu connais sont erronées. Ah non, mais c'est elle qui se planque, là! Ah bah non! Ah bah non! Déluine, c'est une femelle. Non, madame. On va faire la balade du roi pleutre, alors. Encore? Attends, il y en a une autre. Oh là là, je sais pas moi. La coupe empoisonnée, tiens, pour l'histoire. Tu devrais accorder ton luth, fais mieux la prochaine fois. Bon, le prince orphelin alors? Est-ce qu'elle peut le savoir ça? Ce prince orphelin, tu connais une autre à ton sujet. Renommé 200. Aïe 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 aïe. Ok, on y arrive enfin. Il possède des anneaux d'argent que son père lui a laissé. Il est élevé par les souris. Il est élevé par les souris. Des souris, c'est curieux. Je t'écoute. Son nom est Silas. Silas, intéressant. Continue. Il possède des anneaux d'argent. Les anneaux de queue des rois d'antan. Très bien, Ménestrel. Tu peux partir. Attends, les pis, s'il vous plaît. Je suis venu vous demander de l'aide. Je te laisse la vie sauver et tu demandes plus. Grande pis, s'il vous plaît. Je suis venu vous poser une question. À ma connaissance, ma lettre à ton égard est réglée. Ne vous ai-je pas montré le respect que vous avez dû? Déguisé en roi, tu as tenté de me tromper. N'ai-je pas payé pour mensonge en disant la vérité? Tu m'as simplement chanté une chanson et je t'ai laissé vivre. Toutefois, il est possible que nous trouvions un accord. Évidemment. Je suis venu ici une seule fois auparavant quand j'étais un oisillon, mais les tunnels semblent avoir rétréci depuis. Je souhaite explorer la salle inférieure, toutefois ce trou ici est plus étroit que le reste. Tu pourrais y aller à ma place. Alors qu'est-ce que pourriez-vous trouver dans la salle inférieure? Je me rappelle d'une tapisserie ornée de pies représentant une grande bataille. Je veux que tu me la portes. Je vous souhaite la revoir de mes propres yeux. Très bien. Chevauche le feu de mourant jusqu'à la salle inférieure. Rapporte la tapisserie de la pierre. Comme vous voudrez. Ok. Et là maintenant je peux sauter dessus. Donc tout le costume de roi pour qui sert à rien au final. Bon bah autant enlever le truc du roi, hein, ça sert à rien. On va être sincère, on va rester en Ménestrel. Si Ménestrel c'est plus mignon. Ok. Je peux sauter là au pire? Ah oui, attendez, je sais. Pas se louper. Yes. C'est bon. Ouais non, l'histoire du feu, tu vois, je sais pas, enfin quand tu me dis d'allumer un feu, t'allumes le feu. Tu m'en as Johnny et t'allumes. Excusez-moi. Dédicace à Wolfios qui l'a sorti tout à l'heure celle-là. J'ai dû allumer un feu pour je sais plus quoi. C'est toujours là Wolfios, un petit pensée pour toi. On va essayer un petit coup. Ça fera pas de mal.